En 1910, Robert R. McCormick est le copropriétaire du populaire journal Chicago Tribune, en compagnie de son cousin Joseph Patterson. Les deux hommes ne s'entendent pas sur la manière de piloter l'entreprise et Joseph Patterson décide de fonder un autre journal en 1919, le New York Daily News. Avec le succès immédiat de ce tabloïd qui fait doubler, à lui seul, le prix du papier, la recherche de bois supplémentaire doit inévitablement s'amorcer dans une région que McCormick connaît déjà bien, la Côte-Nord. Il détient à ce moment-là les baux des forêts de la rivière au Rocher, à Shelter Bay, maintenant Port-Cartier, et celui de Franklin en 1920. McCormick recevra à cette époque le titre de colonel à son retour de la Première Guerre mondiale. L'homme d'affaires de Chicago a fait la découverte du potentiel forestier du côté est de la rivière Manicouagan lors de vols d'avion au début des années 20. Il obtient finalement le bail des forêts de ce territoire en 1923, avec la promesse de construire une usine de pâte et papier d'ici 7 ans. Le colonel McCormick choisit au même moment la rivière aux Outardes pour construire le barrage qui alimentera son usine en électricité, et les travaux effectués par des centaines d'ouvriers débutent à l'hiver 1925-1926 sur le chantier de la chute aux Outardes. Le barrage, mon père travaillait comme ouvrier. Il faisait un tuyau. Quand il nous contait ça, c'était un tuyau, il nous montrait la maison, là, à hauteur de la maison. C'était à peu près 12-14 pieds de diamètre. C'était fait en bois avec des straps en fer à tous les pieds pour garder leur forme de rond. Il y avait une condition de travail, il se trouvait bien en maudit, je pense que c'était 20-25 cents de l'heure. Puis il travaillait 10 heures par jour. Le site de l'Ansacomo, à l'est de la Pointe-Saint-Gilles, est retenu pour loger l'usine et la ville. La construction du quai débute seulement après le crash de 1929 et le gouvernement fédéral assume les deux tiers des coûts de construction. Le quai d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur de 13 mètres est fabriqué en premier lieu de pierre. Après une pause de 4 ans, soit en 1934, le colonel McCormick profite de la relance industrielle durant la crise économique pour renégocier à la baisse l'entente de 1923 avec le premier ministre Taschereau. Il faut maintenant préparer le terrain pour la venue des matériaux et des premiers hommes nécessaires à la construction de l'usine. Il partait de Baie-Saint-Ludger, moi je parle toujours des histoires de mon père, il partait de Baie-Saint-Ludger avec des barges, là, il appelait ça des paf-paf, là, un moteur, puis il descendait là, il partait à 5 heures le matin pour descendre là, puis il passait la semaine, puis il revenait le samedi dans la soirée pour passer le dimanche à la maison. Pour eux autres, c'était une routine normale. Les autres, le plaisir, c'était de travailler. C'est mieux que travailler le plus fort, c'était un exploit, puis c'était le mieux vu de la gang. Une équipe d'ingénieurs, d'architectes et de dessinateurs de Thorold, en Ontario, où le colonel possède déjà une usine, débute la planification de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet. Le bras droit de McCormick, Arthur Schmoon, engage l'ingénieur urbaniste montréalais Leonard F. Schlem pour faire les plans d'aménagement de la ville. Durant les étés 1934 et 1935, 200 000 tonnes de matériel sont entreposées avant les débuts des travaux. Bientôt, une usine et une ville naîtront au cœur de ce vaste territoire isolé. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco.
Le jour de Pâques de l'année 1936, le Jean Brillant est le premier bateau officiel à accoster dans la baie à Como. Il transporte des cadres et des ingénieurs embauchés pour bâtir l'usine de pâte et papier. Pendant que certains construisent des camps dortoirs, des salles à manger et des installations sanitaires, d'autres agrandissent le quai et installent le chemin de fer pour transporter les matériaux lourds. Les entrepreneurs forestiers de la côte sud viennent défricher le territoire avec leurs hommes et les journaliers sont embauchés sur le quai de Rimouski. Des offres d'emploi sont aussi publiées dans les journaux de Québec et Montréal pour attirer la main-d'œuvre spécialisée. Pour avoir accès au chantier, chacun possède un insigne numéroté qui prouve son engagement. Les trois premiers policiers engagés s'assurent que la procédure est respectée lors du débarquement des travailleurs. Et si ce n'est pas le cas, les individus fautifs retournent à Rimouski. J'ai rencontré la police de l'année. Ben, il dit, on vient travailler avec moi, ben, le soir, il dit, on travaille pour le nommé Tremblay. Il dit, cachez-vous un peu, là, puis il dit, moi, vous surveillez. Ben. Il y a un de mes frères, il était à Chicoutimi, il l'a reconnu, le nommé Tremblay. Ça fait que c'était... Là, dans le jour, on se cachait un peu, puis soir, Le gérant des opérations forestières, Georges Boisvert, dirige déjà 1500 hommes en 1936, dont certains proviennent de Thorold en Ontario, où le colonel McCormick possède déjà une usine. La mort subite de Georges Boisvert, des suites d'une péritonite lors de cette première année de construction, a créé une véritable onde de choc chez les travailleurs, car les gens appréciaient son humanisme. Une clinique avec trois lits voit le jour, et le père Louis-Philippe Gagné est nommé curé de l'endroit par Mgr Leventoux. Une salle à manger lui sert d'ailleurs d'église temporaire. Les ouvriers travaillent six jours par semaine, et lors de leur unique journée de congé, la compagnie organise des tournois de fer à cheval, des concours de souk à la corde, des courses de poche et des parties de baseball. Il y avait des clubs de hockey de l'Archède qui l'avaient fait en 1936. Après ça, ben, nous autres, on travaillait, on faisait pas l'ouvrage, on était venus travailler. On travaillait, on disait à Martin, on travaillait toujours une moyenne d'une centaine d'heures, 125 heures, oh oui, mais des fois plus. Le colonel et son bras droit, basé à Montréal, Arthur Schmoun, souhaitent la venue de commerces indépendants. Rapidement, les deux premiers entrepreneurs s'installent à Bécomo. Le salon de barbier, opéré par Rocomo et Pamphile Dubé, et la cordonnerie, dirigée par Willy Haché et Adélard Teasdale. Le délai fixé par le colonel pour terminer l'usine est le 15 février 1938. Lors d'une visite du conseil d'administration de son journal, le Chicago Tribune, il promet à tous les responsables du projet un boni de 5 000 $ pour chaque jour retranché de cet objectif. C'est finalement le 24 décembre 1937 que la machine à papier numéro 1 est mise en marche et produit du papier. Le 24 janvier suivant, la machine numéro 2 est à son tour opérationnelle. Le colonel tient finalement sa promesse et offre de généreuses primes à ses employés cadres. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco.
Le 20 mai 1937, les lettres patentes délivrées par le gouvernement du Québec annoncent la naissance de la ville de Baie-Comeau. L'assermentation du premier conseil municipal formé de 5 échevins a lieu le 13 septembre 1937. Le gérant des opérations forestières de l'époque, H.A. Sewall, est élu maire de Baie-Comeau. La première année a été faste à tous les niveaux. La construction de l'édifice d'arcade permet au commerce de se regrouper dans un même endroit. Une pharmacie, une bijouterie, un salon de barbier, un bureau de poste, les bureaux de la ville, une taverne, une cordonnerie et le dentiste au deuxième étage occupent ce premier édifice commercial. On y retrouve aussi une salle communautaire où se déroulent des soirées de danse et des projections de films. C'était centre-ville, vous savez. Là, il y avait la Banque canadienne Sonnel. Après ça, il y avait la grosserie Bijoux-Jobin. Il y en a Mécélé qui avait un restaurant. C'est là qu'on pouvait aller. Mais c'est pas là. Non. Il y avait son monde. Le monde se promenait, les deux mondes. Après, de l'autre côté, là. De l'autre côté, ben, il y avait une taverne de la vie. Oh. Les gars de vie, ils aimaient ça. Là. Les autorités n'octroient qu'un permis par genre de commerce sur le boulevard Lassalle. Une église est construite pour les protestants et le sous-sol de l'église Saint-Joseph, qui deviendra l'église Sainte-Amélie, sert à la vie religieuse des catholiques. Ce même automne 1937, un hôpital avec 20 lits est construit et porte le nom de Boisvert, en hommage au premier gérant des opérations forestières, Georges Boisvert, décédé durant la construction de l'usine. Plusieurs Baie-Comeois sont nés dans la pouponnière de ce premier hôpital. La construction domiciliaire est en pleine expansion. Par conséquent, les rues Champlain, Laval, Lassalle et Laurier comptent déjà plus de 200 maisons avec toilettes, téléphone et électricité. La compagnie a bâti des maisons pour eux autres. Après ça, ils prenaient des hommes qui avaient des métiers, des techniciens. Un foulardier verdant avec une pelle de bois. Des hommes de métier. Il fallait donner nos noms. Mais le matériel était dur à arriver. On n'avait pas de route, nous autres. Il fallait figurer le matin puis remoucher. Okay. Puis quand le bateau était pris dans une lasse, dans une petite lasse, on disait, ça commençait à être dole dans les magasins, la grosserie. Là. Ouais, ouais. Mais on se gardait. Okay. Et on se gardait tout le temps du lousse un peu. En 1938, ce n'est plus seulement un milieu d'hommes. Des familles sont maintenant partie intégrante de cette nouvelle société qui compte 1700 citoyens. L'éducation des enfants n'est pas simple, car il y a des anglophones catholiques ou protestants et des francophones catholiques. La compagnie choisit les sœurs Sainte-Croix, dont plusieurs sont bilingues. Les premières classes de l'école Sainte-Amélie, actuellement le Baie-Comeau High School, sont composées de garçons et de filles catholiques. Les jeunes protestants, pour leur part, reçoivent leur éducation dans le sous-sol de l'église St. Andrews, en attendant l'arrivée du Baie-Comeau High School, actuellement le pavillon Mance. Plusieurs travailleurs de l'usine quitteront le pays pour défendre le Canada lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Durant cette période, une ambiance de terreur règne sur la ville. Toutes les lumières existantes sont tamisées pour ne pas attirer l'attention des sous-marins ennemis qui rôdent dans le fleuve Saint-Laurent. À leur retour, les courageux survivants retrouvent leur emploi sans aucune pénalité. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. We'll be right back.
La construction du soubassement de l'église Sainte-Amélie s'amorce en 1937. Les premières installations sont rapidement terminées et le 17 octobre de cette même année, Monseigneur Leventoux procéda à sa bénédiction. À l'hiver 1939, la décision de construire une église est prise et le bâtiment est livré à temps le 1er juin 1940 pour le mariage d'André Sabourin et Jeanne Duchesneau. Ce lieu de culte reçoit le nom d'église Sainte-Amélie en mémoire de l'épouse du colonel McCormick, Amy Irwin Adams, décédée durant la construction. Le colonel McCormick offre un vitrail qu'il veut grand et beau. Si beau, dit-il, qu'il vaille la peine de partir de Montréal pour venir le voir à Baie-Comeau. Le prix importe peu. Le père Louis-Philippe Gagné consulte l'architecte Gaston Gagné, qui lui mentionne qu'introduire une telle modification implique non seulement de grands frais, mais aussi une altération presque totale des plans. Il conseille alors des fresques. Le curé Napoléon-Alexandre Labrie accepte les modifications suggérées au projet à condition que le travail soit exécuté par un artiste de renom. L'architecte Gagné propose alors la candidature d'un artiste florentin, Guido Ninchieri. Le curé Labrie visite quelques-unes de ses œuvres et donne finalement son accord. L'artiste d'origine italienne débute son œuvre en 1940, soit au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il vient seulement de commencer qu'il est déjà arrêté en tant qu'étranger de nationalité ennemie par la Gendarmerie royale du Canada pour avoir peint Mussolini dans l'abside de l'église Notre-Dame de la Défense de Montréal. Il est alors soupçonné de fascisme et par conséquent incarcéré durant 3 mois à Petawawa, en Ontario. Libéré sur parole, il reprend le travail à l'été 1941 pour finalement terminer l'ensemble des fresques en 1945. Le chantier de peinture implique de 7 à 8 personnes, engagées localement, fournissant le mortier et réalisant la structure de base de la fresque. Ninchieri utilise aussi des élèves de l'école voisine, soit l'école Sainte-Amélie comme modèle pour les anges du cœur. Madame Liette Boisseau-Allard pose pour les scènes de la vie de Sainte-Amélie. En 1945, le vicariat apostolique du Golfe Saint-Laurent est relevé au rang de diocèse et Napoléon-Alexandre Labrie est choisi pour être le premier évêque. Le 11 août 1946, plusieurs invités distingués assistent à son intronisation présidée par l'archevêque de Rimouski et la majorité de la population de Baie-Comeau assiste à cet événement historique. Après la cérémonie, on procède à la bénédiction des 3 cloches de l'église Sainte-Amélie. L'histoire des cloches est fascinante. Ce carillon de 3 cloches avait été commandé avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale. Quand les ordres nazis sont entrés en France en 1939, c'est en les dissimulant dans la terre que les fondeurs ont réussi à les protéger de la destruction. Elles ont été déterrées seulement 6 ans plus tard, lors de la fin de la guerre. Au milieu des années 50, la paroisse désire améliorer la qualité de ses célébrations et elle passe la commande d'un orgue à la maison de renommée mondiale Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe. L'installation de l'instrument se termine en 1957. Enfin, une dernière touche fut donnée à la splendeur de l'église. Débutée à Montréal quelques années auparavant, les 30 vitraux réalisés par le studio Guido Ninchieri viennent compléter en 1959 le magnifique décor de l'église Sainte-Amélie. L'église Sainte-Amélie, pour moi, ça représente beaucoup. Et on a entre les mains un trésor. On n'a qu'à regarder ce que les gens nous laissent comme commentaires depuis des années. Et tout particulièrement cette année, lors de nombreuses visites, c'est incroyable ce qu'on a comme trésor patrimonial, comme joyau entre les mains. Le 14 février 2010, la paroisse La Nativité de Jésus ferme officiellement l'église au culte. 11 mois plus tard, soit le 8 décembre 2010, la corporation Église Sainte-Amélie, ouverte à la vie, achète le bâtiment patrimonial pour la somme de 1 $. Depuis sa réouverture, on y retrouve des cérémonies commémoratives pour les défunts et des concerts. De plus, un centre d'interprétation raconte son histoire aux Baie-Comeois ainsi qu'aux touristes.
Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Alice Grace Axelson Lane arrive à Baie-Comeau au mois d'octobre 1937 avec son époux George James Lane, nouvellement nommé gérant de l'usine de la Quebec North Shore Paper Company. Grâce à son acharnement, elle fonde la première bibliothèque composée de seulement 37 livres dans le coin des chaussures de la Baie-du-Tson. Dès l'ouverture en 1938 du Baie-Comeau Community Association, la bibliothèque emménage dans ce nouvel endroit qui compte maintenant 6000 livres et qui se nomme la bibliothèque George M. Wisner Memorial. Une multitude d'activités culturelles sont présentées au Baie-Comeau Community Association. Citons l'exposition agricole qui permet aux artisans et aux entreprises de se faire connaître par les citoyens. Dès les premières années de fondation, la compagnie de papier verse l'argent nécessaire pour faire la promotion de la culture. En 1942, le club musical de Baie-Comeau organise plusieurs concerts prestigieux dans la salle de badminton, transformée en salle de spectacle. L'Orchestre symphonique de Chicago et des grands musiciens ont performé devant le public baie-comeauois. En 1943, les autorités font l'acquisition d'un piano de marque Willis. C'est le dernier que M. Willis a lui-même fabriqué de son vivant. On regarde au début Mme Lane, la grande, qui réussissait à faire venir les grands artistes qui faisaient des grandes tournées, qui parfois même n'allaient pas à Montréal et venaient à Baie-Comeau, jouaient sur le fameux Willis, là, et qui faisaient des concerts dans les camps de bûcherons dans le bois. On part de là. Des cours de peinture sont offerts gratuitement par Sœur Saint-Jean Apôtre. Elle utilise une technique avant-gardiste pour l'époque, la peinture à doigts. L'église Sainte-Amélie, parallèlement à ses activités religieuses, a toujours joué un rôle important dans le développement culturel de Baie-Comeau. À l'instigation du cercle paroissial, plusieurs soirées récréatives, kermesses, concerts, concours et autres activités sont organisées. Durant les années de guerre, le théâtre se porte bien. Une troupe est formée, le Petit Théâtre de Baie-Comeau. D'abord localisé au Théâtre Arcade, puis à la salle Napoléon Beaulieu dans le sous-sol de l'église Sainte-Amélie, la troupe a pour but d'offrir un amusement sain à la population tout en aidant les œuvres de bienfaisance. Les comédiens interprètent des pièces telles que « Mon bébé » et « Durand Durand ». Le 25 novembre 1946, un concours amateur se déroule dans le sous-sol de l'église Sainte-Amélie et le troisième prix est remis à un jeune garçon de 7 ans, Brian Mulroney. Cependant, il ne devient pas chanteur, mais premier ministre du Canada en 1984. En décembre 1946, le cinéma Arcade présente ses premiers films dans une salle comptant 420 places. 10 ans après la naissance de la ville de Baie-Comeau, la Société historique de la Côte-Nord est créée le 16 mai 1947 par Mgr René Bélanger, président fondateur, ainsi que par M. T.B. Fraser, Paul Provencher et Bernard Vinet. Elle a pour mission d'acquérir et de préserver les archives et objets témoins de la vie quotidienne des pionniers, ainsi que diffuser par la suite ces informations. Encore bien vivante, la société présente annuellement une exposition originale ou itinérante.
Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. À l'été 1936, plus de 1000 hommes travaillent 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Une fois leur quart de travail terminé, ils retournent dans leur petite chambre des camps. La solitude, le désœuvrement, l'éloignement de la famille peuvent facilement miner la morale si les temps de loisirs ne sont pas occupés. Au départ, il n'y a pas de structure officielle et les groupes organisent spontanément des activités, dont des parties de balles molles. Quand l'hiver de 1936 arrive, la plupart des hommes de chantier de construction retournent chez eux, mais les employés de la foresterie demeurent sur place. Ayant un intérêt commun pour le hockey, ils se construisent une patinoire à l'ombre du vaste entrepôt de l'usine. Avec l'arrivée de plusieurs familles en 1937, on fonde la Baie-Comeau Community Association, qui sera synonyme de sport et de loisirs durant 25 ans. L'adhésion est gratuite pour les travailleurs, les autres doivent débourser 2 $ par famille. La deuxième source de revenus de l'association provient des recettes du monopole de la vente de la bière dans la ville. Avec un budget de 12 000 $ les autorités fondent une compagnie située au sous-sol de l'édifice Arcade, la Taverne aux Amis. Un comité est formé pour chacune des activités suivantes, le hockey, le ski et le toboggan, les quilles et le billard, le badminton, la danse, la musique, ainsi qu'un autre comité pour le recrutement des membres. La boxe viendra s'ajouter un peu plus tard. Le premier directeur de la Baie-Comeau Community Association est Joseph Alfred Duchesneau. À l'été 1938, on se penche plus sérieusement sur la construction d'un centre socio-récréatif. Les revenus importants de la Taverne aux Amis et de l'épicerie de bière démontrent que l'on peut supporter financièrement ce projet. L'immeuble est mis en chantier à l'automne et est terminé au milieu novembre. L'ensemble des activités est alors centralisé dans un même endroit, soit au centre récréatif de la Baie-Comeau Community Association. On rapatrie les allées de quilles, qui est à l'édifice Arcade, on fait de la glace dans l'aréna et on installe une allée de curling. Lors de l'inauguration en 1939, une ligue de hockey créée pour la population, une autre, celle-là, interdépartementale, est fondée pour les employés de la Quebec Nature Company. Durant cette même année, on installe des remontées mécaniques au site de ski situé près de la bâtisse du Quebec Logging et du chalet des débardeurs. Quand la Deuxième Guerre mondiale survient, il n'y a plus assez de joueurs de hockey pour une ligue senior. Une ligue de hockey junior se met alors en branle, avec seulement 2 équipes en 1943. Les autorités de la municipalité bâtissent une piscine au bout de la rue Champlain et la natation devient rapidement populaire l'été. Une barboteuse permet aux enfants de s'amuser dans un environnement sécuritaire. L'association gère aussi les cours de tennis à côté du manoir. Chaque année, il y a des tournois dans plusieurs disciplines. Les marchands locaux et les fournisseurs de bière sont mis à contribution pour les trophées. Fait à noter, les anglophones se passionnent particulièrement pour le basketball. Le gymnase est toujours achalandé et plusieurs jeunes s'y entraînent. En 1951, Léopold Arsenault se rend jusqu'au niveau national où il se classe 2e en poids et haltères. L'année suivante, il deviendra champion canadien. Au début de 1952, nos hockeyeurs reçoivent la visite des Blackhawks de Chicago de la Ligue nationale de hockey. Le colonel McCormick est alors fier de démontrer aux gens de sa ville natale tout le talent de nos joueurs locaux. Lors de la naissance d'Haute-Rive, d'autres équipes de hockey se rajoutent en 1956 et on fonde les loisirs incorporés en 1958. Par la suite,
La rivalité entre Baie-Comeau et Haute-Rive sera féroce durant plusieurs années. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. La compagnie de papier Quebec North Shore, la QNS, fonde la Manicouagan Power Company en 1949. La centrale de Juteau-Outarde ne suffisant plus aux besoins énergétiques, les travaux de construction du barrage McCormick débutent en 1951, ce qui permet de tripler les ressources hydroélectriques. La compagnie souhaite rentabiliser son investissement et vendre ses surplus d'électricité à une industrie. La compagnie British Aluminium accepte de former une filiale canadienne pour profiter des avantages hydroélectriques et portuaires de Baie-Comeau. La canadienne British Aluminium Company, ainsi formée, envisage de créer une usine assez importante qui nécessite l'ajout de 3 turbines au barrage McCormick. La luminerie négocie une participation de 40 % des actifs de la centrale Manicouagan, alors qu'en retour, la QNS verse 40 % des coûts de construction de l'usine qui sera érigée dans la baie des Anglais. Les travaux du bâtiment s'amorcent en 1955 et permettent d'ériger une route d'accès, un nouveau quai, ainsi qu'un tout nouveau quartier baptisé Saint-Georges. Les premières cuves sont prêtes en juin 1958. Cette même année, Hydro-Québec entreprend la construction d'un quai et de la route d'accès vers le Grand Lac Manicouagan. Les travaux, qui s'étendent durant la décennie suivante, débutent avec la construction de Manic 2 et 4. Plus de 1000 ouvriers s'y affairent en 1962. En 1959, une importante compagnie céréalière, la Cargill Grain, commence à construire le plus important centre d'entreposage et d'exportation de céréales de l'Est du Canada. L'entreprise installe ses vastes silos et son propre complexe portuaire à l'Anse du Moulin, au fond de la baie des Anglais. Les bateaux, en provenance des Grands Lacs, viennent y livrer le grain de l'Ouest canadien et des Océaniques de toutes les nationalités viendront le chercher par la suite. Le boom économique des années 50 fait passer la population locale de 4225 habitants en 1951 à près de 14 000 dix ans plus tard. Des rues et des maisons apparaissent dans la nouvelle paroisse Saint-Nom-de-Marie. Les écoles se multiplient et les loisirs sportifs s'organisent. Au même moment, des commerces s'établissent, car les jeunes couples bien rémunérés sont avides consommateurs. Les garages, les merceries, la lingerie pour dames, la quincaillerie, les magasins de meubles et d'accessoires électriques prospèrent. De plus, les banques, les compagnies d'assurance et les services professionnels offrent leurs services à la population. La Chambre de commerce de Baie-Comeau apparaît en 1951 et témoigne de cette vitalité commerciale. Par ailleurs, à l'initiative des autorités religieuses, un premier journal hebdomadaire, nommé L'Aquilon, voit le jour en 1950. Le journaliste Gérard Lefrançois dirige ce média écrit au cours des premières années. En 1956, M. Lefrançois décide de se présenter en politique, mais il est battu aux élections. Cet excellent communicateur avait dû démissionner de son poste à L'Aquilon. Cependant, il revient en force l'année suivante avec la création d'un nouveau journal, Le Côte-Nord. En 1958,
les deux journaux s'intéressent passionnément à la campagne municipale à Baie-Comeau. Pour la première fois, un homme d'affaires indépendant de la compagnie de papier Québec North Shore est candidat à la mairie. Raymond Christian Tremblay remporte finalement la victoire et quelques années plus tard, la construction d'un hôtel de ville au coût de 600 000 $ symbolise l'autonomie de cette jeune municipalité. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Monseigneur Napoléon Alexandre Labrie s'installe à Baie-Comeau en 1946. La jeune ville est désormais le siège épiscopal du diocèse du golfe du Saint-Laurent. À cette époque, l'Église catholique monopolise les services sociaux tels que la santé et l'éducation. Monseigneur Labrie souhaite doter la municipalité d'un évêché, d'un hôpital et d'un séminaire. Les terrains offerts par la ville ne lui plaisent pas. Il préfère retourner là où il a habité chez sa sœur en bas âge, c'est-à-dire à quelques kilomètres plus à l'ouest, sur un vaste plateau qui domine l'estuaire de la rivière Manicouagan. Tout près des ruines du vieux poste Manicouagan, où enfant, il était venu étudier ses rudiments du latin auprès des missionnaires eudistes. Des chefs de famille désirent l'accompagner à la rivière Amédée. Monseigneur Labrie accepte, avec comme seule condition, qu'ils doivent prendre leur développement en main. L'évêque pose donc les bases d'un nouveau développement urbain appuyé sur l'autonomie et se démarque ainsi de Baie-Comeau, la ville d'une seule entreprise encore toute puissante. Les terrains de la future ville appartiennent aux autorités de l'Ontario Paper Company. Les lots sont volontairement rétrocédés au gouvernement du Québec, qui à son tour les remet pour la moitié d'entre eux à la corporation épiscopale de Monseigneur Labrie et pour l'autre moitié, à une société de développement créée au printemps 1949 par les futurs pionniers. Le 19 septembre de cette même année, Gilbert Moffatt est le premier à emménager avec sa famille sur les terrains d'Hauterive. Par la suite, le plombier Roland Godin ouvre le premier commerce sur la rue Pigelon. En 1950, l'évêque entre au nouvel évêché du diocèse de la Côte-Nord, d'ailleurs vite transformé en hôpital temporaire par 6 religieuses nouvellement arrivées par bateau. Les premières résidences sont construites rapidement sur les rues Joliette, Pujalon et Bossé. En 1951, les autorités religieuses procèdent à l'érection canonique de la paroisse Saint-Jean-Eudes. Au niveau économique, la Caisse populaire de Hauterive est fondée. Au mois de juin 1952, le premier ministre Maurice Duplessis accepte le projet ambitieux de Monseigneur Labrie de construire un hôpital à Hauterive. L'évêque reçoit un montant exceptionnel de 600 000 $ pour un établissement de 150 lits. C'est finalement en 1955 que les religieuses hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu de Montréal accueillent les premiers patients avec un total de 169 lits. Coup de théâtre, Monseigneur Napoléon Alexandre Labrie quitte son nouveau diocèse sans avertir la communauté au mois de novembre 1955. Il désire se reposer et n'a plus la confiance nécessaire pour poursuivre ses projets d'envergure. Il part se réfugier chez sa communauté des pères eudistes à Québec. Monseigneur Gérard Couturier le remplace en 1957 et malheureusement, lors d'une célébration, un feu détruit complètement l'église d'Hauterive.
On choisit alors de bâtir un nouveau bâtiment de 1200 places. Le 29 février 1960, la cathédrale ouvre officiellement ses portes et le diocèse du golfe du Saint-Laurent porte maintenant le nom de diocèse de Haute-Rive. Parallèlement, divers organismes et institutions sont créés. Ainsi, l'inauguration en 1958 du séminaire de Haute-Rive, aujourd'hui le cégep de Baie-Comeau, se déroule en présence du premier ministre Duplessis. Similaire au Baie-Comeau Community Association, les loisirs Haute-Rive sont fondés en 1958. Cette année-là marque aussi le début de la construction de l'école normale destinée aux jeunes filles. En 1961, Baie-Comeau compte 8000 citoyens et Haute-Rive 6000. Le 30 novembre 1981, le ministre des Affaires municipales du gouvernement Lévesque, Jacques Léonard, dépose le projet de loi 37 qui force la fusion de Baie-Comeau et Haute-Rive. La loi est finalement adoptée en 1982 malgré une importante mobilisation citoyenne contre le projet. Au premier plan, le maire de Baie-Comeau, Henry Leonard. Il n'y a pas de référendum tel qu'exigé par la municipalité, mais des élections pour former le nouveau conseil municipal du Grand Baie-Comeau. Le maire d'Haute-Rive, Maurice Boutin, se retire pour laisser sa place à Roger Thériault. C'est lui qui défait Henry Leonard par seulement 57 voix, après recomptage judiciaire et qui devient maire de la nouvelle ville fusionnée. Encore aujourd'hui, la fusion forcée de Baie-Comeau et Haute-Rive ne laisse pas indifférents ceux qui l'ont vécu en 1982. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.